Eh bien salut tout le monde, c'est Sapeu. On se retrouve pour un combat de PVP. On est sur le serveur Lily, donc je suis avec Celsus. Le petit SRAM. On est content de s'acquérir 199. Oh. Full O j'ai l'impression. Enfin full O, toujours boosté Vita, mais. Stuff d'Anator plus c'est quoi c'est? J'arrive pas à voir la cape. C'est une gueule de. Comment ça s'appelle? Elementor. Donc c'est sûrement ça d'ailleurs. Mais bon, on va partir tout de suite. Ouais. Épée à la con. On va commencer à la taper l'épée. Il va sûrement la coop ou je sais pas quoi, donc quoi. Quoique non, il peut mettre tirer. Bon, c'est pas très grave. 10 PA, ça va, ça il pourra pas faire trop de combos relous. Ouais, il m'attire. Bon, il peut pas me toucher Fury ici. Ah si, peut-être. Non, il peut pas. Donc ça, c'est cool. L'épée va vouloir me rush. Enfin, elle va me rush d'ailleurs, parce qu'elle a pouvoir. Mais moi, j'ai en profité pour faire une petite zone fourvoiement. Est-ce que je te le fais à faire? Ouais. Je vais pas pouvoir en faire deux, par contre. Parce que sinon, je peux pas foutre de piège. Merde. Allez, je passe invisible. On va espérer qu'ils rushent dans le piège de silence, comme ça au moins ils l'auront tous. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Comme ça. Bon, ils vont peut-être pas. 5 PA et 2 PA. Bon, 2 PA ça va pas taper énorme, mais ce sera déjà des petits dégâts. Parce qu'il va falloir les tuer ces invoques, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, elles sont trop chiantes. Ah bah, s'ils se tapent entre eux, parfait. Ah bah, l'épée tape pas dans le vide. Je savais pas, je pensais qu'ils tapaient tous dans le vide au moins un peu. Et apparemment, non. Bon, c'est pas très grave. Un petit piège mortel qui devrait achever l'épée volante. Ou le chauffeur, hein, au choix. Un des deux, à mon avis, ça va tuer le piège mortel. Hein. Prévisible. Donc on va regarder un peu l'érosion. On va suivre l'érosion durant le combat. Il a 5200 de Vitamax. Ah bah, l'épée va pas se le prendre finalement. Voilà, c'est le chauffeur qui va aller dedans. C'est pas un souci. Alors, je continue mes petits réseaux. Et ouais, on va foutre un petit piège d'immo là comme ça pour le lulz. J'ai encore 6 PM, donc ça c'est plutôt posé. Non, pas là. Non. Il va peut-être pouvoir me spotted s'il a de la chance, c'est pas très grave. Normalement, ça devrait aller. De toute façon, ce qui est bien quand on joue réseau, c'est qu'on ne booste pas le mec. Hein. Donc lui, après, il se booste un peu tout seul, j'ai l'impression. Avec des furies, mais il sera pas beaucoup boosté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, les épées volantes, tous les 5 tours. C'est quand même bien puissant hein, pour une invoque comme ça, 600 points de vie. Encore j'ai de la chance, elle a des faibles esters et R, donc. Mais c'est pas tout le monde, si vous êtes haut. Ah mais le truc m'a spotted en plus. Il y a vraiment de la chance, ouais. Mais bon, je vais pouvoir la tuer avec repérage. Je pense. Oui, non, ça devrait aller. Voilà. Sournoiserie. Mon piège, comment il s'appelle celui-là? Mon répulsif est plutôt posé là. Enfin, dans tous les sens du terme, il est posé par terre et il est bien mis au bon endroit. À mon avis, il va me servir ce piège. À un moment ou un autre, il me servira. Si c'est pas maintenant, c'est après. De toute façon, c'est sûr et certain. De toute façon, un piège répulsif, c'est vraiment, faut l'utiliser presque à chaque tour, quoi. Voilà. Donc, on va continuer avec des petits pièges de masse ici. Faudra que je tue cette fucking épée volante. Ce serait une bonne chose. Alors, si il TP là, non. Faut que je fasse attention quand même. S'il fait des tours là, je peux être dans la merde. Provisoirement dans la merde. S'il fait un détour et qu'il rush, il va se prendre le piège répulsif. Bah, du coup, il me servira pas. C'est vrai que s'il fait ça, ça me servira pas. Sa Vitamax qui descend.
Il a perdu 25 alors que j'ai toujours pas vraiment tapé, ou alors c'était involontairement. Voilà, bon, l'arachne qui crève. Voilà, il m'aura servi à tuer l'arachne gratuitement, ce petit piège répulsif. Allez, on va finir cette épée volante, au moins elle causera pas de problème, ça c'est sûr. Et on va en remettre un ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut que je me place ici. Voilà, faut toujours compter, il a 6 PM, ouais, donc au cas où il transpose sa cahotte. Il pourra peut-être me faire furie, mais je crois pas. Non, donc là il va peut-être coop, attirance. Ouh, il est très mal placé. J'avais prévu le coup. Ouh, il est très mal placé là, hein. Attention. Je crois que je vais le mettre dedans parce que c'est cadeau, mais bon, ça va pas le tuer. Ou alors vraiment, je le tape beaucoup. Non, ça m'étonnerait quoi que s'il se fait des furies. Ouais, on va faire. Hop. On fout l'érosion, très important. Surtout si je le termine pas. Voilà, alors ça pousse de combien de cases? 3, donc 1, 2, 3, ça suffit pas. En revanche, peur, ça va suffire. Et bim. Alors là, on commence le réseau. Bon, ça va pas le terminer, je pense pas. C'est déjà pas mal, surtout qu'il a pris de l'érosion, quoi. 3300, là, il a pris quoi d'érosion? Il a pris 2000 depuis le début de combat. Là, il vient d'en prendre 1500, enfin même plus. Là, il vient de tout prendre en érosion, c'est énorme. Il a plus que 1000 points de vie. 1000 points de vie enlevés en plus, ouais. Je peux vraiment bien le taper là. Je vais faire repérage. 260. 335. Plus que 500 points de vie, donc ouais. On va passer invisible. Donc vous voyez, pas de soucis pour ce combat. Vraiment tranquille. Bah, je suis même full vita du coup, parce que je crois qu'il. Non, je suis même pas sûr qu'il m'ait touché, hein. Vous voyez, il m'a même pas touché. Et on est sur le serveur officiel, hein, donc voilà, ça change rien du tout. Parce que des gens me disent, oui, sur bêta c'est plus facile. Ça change rien du tout. Je sais pas. Ouais, je sais pas, moi, ça change pas. Allez, c'est parti. On termine avec deux repérages. Ça tape vraiment beaucoup en plus ce stuff. Coûte pas cher, et enfin il y a juste l'ocre qui coûte cher quoi, mais c'est vraiment c'est tout quoi. Bon bah voilà, un petit combat de PVP. Tu as posté quand la vidéo? Il a anticipé que je filmais, il a deviné que je filmais. Bon voilà, je vous dis à la puce dans le bus. Je sais pas si je posterai ça sur Sape 2 ou quoi, aucune idée.